La verità non sta in uno solo sogno, ma in molti sogni. Avec Elio, Ioannis, Solal et Jeanne, en même temps que la chronique documentaire de leur année scolaire, nous avons fait, à chacune de mes visites, le suédage d'une scène extraite d'un grand film du répertoire. Ils s'amusaient à jouer les personnages, et moi, à reconstituer la lumière, les cadrages et le montage qui font le style de chacun de ces chefs-d'œuvre. L'histoire de Noureddin et Zoumourud, dans Les Mille et Une Nuits de Pier Paolo Pasolini, sert de fil rouge à ce voyage cinématographique. Leur rencontre, l'enlèvement de Zoumourud, la quête de Noureddin vont ponctuer chacun des contes jusqu'aux retrouvailles finales. Comment tu t'appelles ? Zoumourud. Vieni. Andiamo. Amore, amore mio. Vieni. Cosa c'è? Cosa stai leggendo? Ascolta. C'era una volta nella città di Baghdad un giovane molto bello, un suonatore di liuto. Un giorno che era davanti alla sua porta, Les Sept Samouraïs, Akira Kurosawa, 1954. Dans le Japon du XVIe siècle, un village de paysans recrute des samouraïs pour lutter contre les bandits qui ravagent les campagnes environnantes. Sept人は片付けたが、スルビンとナジャックも危ないな。 今度は奴らはこっから襲ってくるだろう。我々の家を守らねば。スルビンでは物音一つしないけれど。エルド、どうしたらいいだろう。奴らは種子島を持ってるからな。一丁でも取ってくれると思う。 聞こえる。足音が。ソラル、落ち着け。でもいいよ。聞こえるんだ。もういい。お前は休め。
Voilà. どうしたの？私疲れてるんだから。ジャンナ、あなたは素晴らしい人です。前から私はそれを言いたかったんです。Nureddin, oh mio dolce Nureddin, venderai questo panno al mercato, ma evita l'uomo vestito di azzurro. Signor, guardate com'è bello. Dammi 200 dinari. Ti offro 1000 dinari. Va bene, dammi il mio dinare, ma stai lontano da me. La règle du jeu. Jean Renoir, 1939. D'abord, une discussion entre La Chaîne et Octave qui livre une des morales du film. Tout le monde a ses raisons. Puis, pendant la chasse, le moment où Christine découvre fortuitement que La Chaîne la trompe. MDR. Dis donc, vieux, j'ai envie de foutre le camp. J'ai envie de disparaître dans un trou. Et ça t'avancerait à quoi? Bah ça m'avancerait à plus rien voir, à plus chercher à savoir ce qui est bien, ce qui est mal. Parce que tu comprends, sur cette terre, il y a une chose effroyable. C'est que tout le monde a ses raisons. Mais bien sûr que tout le monde a ses raisons. Et moi je suis pour que chacun les expose librement. Je suis contre les barrières, contre les murs. Oh, l'écureuil, incroyable. Oh, je le vois comme si je pouvais le tirer par la queue. Il a disparu. Vous le voyez encore, vous? Non, prenez-les, cher ami, et admirez. Merci. Ça devrait vous plaire. Oh. Allez, donne, passez-moi. Mais je te jure que c'est mon tour. Dis donc, ça a l'air bougrement intéressant ce que tu vois là. Plus qu'intéressant. Sumurun.
Zumoro. Amore mio. Andrei Rublev. Andrei Tarkovsky, 1966. Dans la Russie des années 1400, une innocente, un moine, peintre d'icônes d'un très grand talent, son maître, des disciples, confrontés à la violence, à la guerre, au sectarisme religieux, Andrei Rublev a envie de vivre. Il souffre, il doute, il se pose des questions sur l'art et sur le sens de la vie. Смотри. Смотри. Что такое? Ничего, забудь. Элью, почему ты так? Ты меня не любишь? Но ты что? Ты просто никогда не делаешь как надо. Ты меня не понимаешь. Слушай меня. Ты слишком молодой. Ты хочешь только играть или есть. Как же можно потом рисовать? Когда я голоден, я не могу думать о другом. Не валяй, дурака. Это не так просто. Только молитвой можно познавать непознаваемое. Феофан, ты? Но ты же давно умер. Ты мне снился. Я тоскую по тебе. Здесь всех перебили. Даже Салел. А он начинал понимать. Смотри, только она теперь живет. Ну ладно, уходить мне пора. Ты мне нужен. Прошу тебя, не уходи. Я больше никогда не буду рисовать. Почему? Нет, смелся. Зле везде. Я не хочу рисовать ад. Снег идет. Это ужасно. Когда снег идет в храме,
Правда? Les ailes du désir. Wim Wenders, 1987. Dans un Berlin divisé, des anges, invisibles et bienveillants, sont à l'écoute des monologues intérieurs des habitants de la grande ville. Mais Damiel tombe amoureux et choisit de devenir humain. Il découvre le bonheur et le malheur d'aimer. Als das Kind Kind war, wusste es nicht, dass es Kind war. Alles war ihm beseelt und alle Seelen waren eins. Als das Kind Kind war, hatte es von nichts eine Meinung, hatte keine Gewohnheit, saß oft im Schneidersitz, lief aus dem Stand, hatte einen Wirbel im Haar und machte kein Gesicht beim Fotografieren. Verschieden, das der Himmel.
Trieb verlässt langsam sich selbst. Sie ist nicht fort, Kassiel, ich weiß es. Ich werde sie wiederfinden. Etwas wird geschehen und es wird gelten heute Nacht. Kassiel. Sie wird mich alles lehren. Es gibt noch andere Sonnen als die oben am Himmel, Kassiel. In der tiefen Nacht wird heute der Frühling beginnen. Ganz andere Flügel werden mir wachsen als die gewohnten. Flügel, über die ich endlich werde staunen können. Fanny et Alexandre, Ingmar Bergman, 1982. En Suède, au début du XXe siècle, la vie heureuse du jeune Alexandre et de sa sœur Fanny, dans une famille aisée de comédiens, tourne au drame après la mort de leur père, suivi du remariage de leur mère avec un évêque luthérien ascétique et autoritaire. Ici, après le générique et l'introduction, une scène au temps du bonheur. Elio, Ioannis.
Or er den lilja tjegen. A stakas lila Jeanne. Stakas lila Johannes. De vet inte vad som väntar på dem. De är ensamma i surbens under otet av de levande döda. Hur dörna är döda och ingen finns därför att försvara dem. Vem akkurdi medan midnatt kommer att ringa. Men vad är den härliga formen? Friten i luften när man sing min säng. Jag är rädd. Detta är Elios pug, levande död. Nu får ni ta och lugna er lite här inne. Sov nu, ungar. Godnatt. Femme au bord de la crise de nerfs, Pedro Almodovar, 1988. En écho à la movida madrilène des années 80, les folles journées d'une femme abandonnée par son amant, qui attend en vain son appel téléphonique. Une galerie de portraits pleine de fantaisie et du gazpacho bourré de somnifères pour tout le monde. Tu sais comment ça se dit bleu en espagnol ? Azul. Comment ça se dit lumière en espagnol? La luz. Tu sais comment ça se dit blanc? Arrête! Blanco. Tu sais comment Arrête. Ça se dit noir? Stop, tais-toi. Comment on dit bonjour? En quoi? Comment ça? En espagnol. Hola. Hola, ¿qué tal? Ça veut dire que t'es. Ça veut dire comment ça va? Oui, bonjour, comment ça va? Ah ouais? Comment on dit matin? Mañana, c'est bon, arrête de me saouler maintenant. Comment on dit oui? Tais-toi! Ça t'énerve, hein? Comment on dit je suis au bord de la crise de nerfs? Estoy al borde de un ataque de nervios. Sola. Finalmente, sola. Al caer la noche, solo cuento. Desde mucho tiempo repitiendo sueños de juegos prohibidos, de escondido amor, acompañada y sola, sigo en este mundo donde más me. ¿Qué hay en este gazpacho? Tomate, pepino, pimiento, cebolla, una puntita de ajo, aceite, sal, vinagre, pan duro y agua. Zumurrut.
Fermo. Non mangiare questo piatto. È pericoloso. Voglio farti il mio amante. Amore mio, non mi hai riconosciuto? Sono io. Ti ho ritrovato. Zumurrud! Amore mio! Zumurrud! Zumurrud, amore mio. Conosci questa poesia? La nuova luna. E come si presenta la guancia del ragazzo. Il suo corpo è snello e slanciato. Fa esplodere i cuori. La verità non sta in uno solo sogno, ma in molti sogni. En équipe comme les 7 samouraïs, manie le mic et le sabre comme des Jedi entre les ballons ride. On crache le feu, on fait les baillons rap. Pas de baillon, on se donne à fond à croire que si on baille, on rate. Contre les barrières ou contre les murs, posé souvent entre les deux quand on est dans les hurs. Entre deux âges, mélange de genre, premier mélange de langue, bientôt mélange de sang. La règle du jeu, nous on la modifie. On connecte les gens comme le mode wifi. Y'a plus d'une chose effroyable dans ce monde. Par rapport au cosmos, nos vies se comptent en secondes. Incroyable, comme une lanterne magique dans une chambre noire. Dans ma tête, la musique est lente, mais elle m'agite, elle me laisse entrevoir qu'il y a peu de différence entre rappeur et Renoir. Toujours au top, qu'on soit Asiat, Bap, tout Rebeu ou Renoir. La vie, pas un conte des mille et une nuits. Mille et une vies, c'est peu, beaucoup en même temps quand on les unit. Jamais on fuit, même quand la face est rouge ou blême. Comme Andrei Roublev, hors sentier, dans un double rêve, on peut s'y perdre. Comme tu as perdu ta Zumurrud, jeune Zoulou bouge sur de la trappe ou un morceau pour Oud. Peint des icônes et des femmes au bord de la crise de nerfs. Artiste face à la guerre et à la barbarie. S'ennuie face à la paix, enterre son paradis. Pour de nouveau sentir la brise de mer ou la fraîcheur du nord, du pays d'Ingmar. Des textes de rap dans le grimoire. C'est une certitude depuis la naissance. Ouais. On veut pas d'une vie austère comme Fanny et Alexandre. La banane partout tu meurs comme vendeur dans le souk. On veut marquer l'histoire comme Kassav dans le souk. Tu fais peur à ta petite sœur quand tu déconnes. Tu te sens pousser des ailes donc tu décolles. T'as mis les gommes, mais les gaz gajo. Ouais ouais. On part en Espagne manger du gazpacho. On est la nouvelle ère comme l'a été la Movida. Ils aiment les mots vidés de sens, on aime les mots qui parlent. S'ils nous détestent, amore mio, on les maudira. Ouais, puis on les oubliera. On partira, désir au bout des ailes. Ouais, dans le ciel couleur miel. Ouais, tout le monde a ses raisons, tout le monde a ses folies. Je nage dans le son, je suis sur un nuage. Tout le monde a ses raisons, tout le monde a ses folies. Je nage dans le son, je suis sur un nuage. Tout le monde a ses raisons, tout le monde a ses folies. Je nage dans le son, je suis sur un nuage. Tout le monde a ses raisons. Dieu, c'est juste être jeune depuis longtemps. Je suis heureux, j'ai pris mon temps. Être vieux, c'est juste être jeune depuis longtemps.